Patrick est un des films de pouvoir psychique les plus légendaires des années 70. Les films de pouvoir psychique, évidemment, c'est un des genres les plus importants des années 70. Tout ça vient de Carrie, le film basé sur un roman de Stephen King que j'ai écouté hier pour la première fois. Imaginez-vous donc, c'est un chef-d'œuvre total. Okay? C'est bon niveau Eisenstein, Carrie. Mais Patrick, bon, c'est un peu moins bon que ça, mais en vérité, c'est pas mal meilleur qu'on sera en droit de s'attendre. C'est très, très bon, en fait, Patrick. J'étais très, très agréable surpris par le film. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, en gros, on a un adolescent qui s'appelle le Patrick et on l'apprend dès le début. Il a tué sa mère et son amant qui étaient en train de copuler dans la baignoire et le jeune Patrick est en pleine crise oedipienne. Il le prend pas pantoute, il garoche un grille-pain ou quelque chose comme ça dans la baignoire et tout le monde meurt sauf lui, mais lui il tombe dans le coma, il devient catatonique essentiellement et il s'en réveille jamais vraiment. Mais ce qui se réveille en lui à la place, c'est des pouvoirs psychiques. Alors, il est à la fois dans le coma, mais il y a des pouvoirs qui viennent directement de son subconscient qui fait que ben, les gens seront plus ou moins tués par des pouvoirs psychiques à gauche et à droite pour aucune raison apparente. Mais la vraie raison, évidemment, c'est que c'est une boule de haine inconsciente, une pure créature de l'id, comme le mentionne un des docteurs. Et tout le monde est horrible et épouvantable dans le film, sauf une femme, notre héroïne, une infirmière, qui va se prendre d'affection pour Patrick malgré son coma, qui réalise en fait qu'il est encore conscient, d'ailleurs son côté, on va dire, légumineux. C'est ça, elle va rentrer en contact avec lui, elle se rend compte finalement qu'il peut communiquer, mais Patrick n'est pas encore résolu ses questions psychosexuelles, oedipiennes, freudiennes, et il tombe en amour avec la femme médecin, et ça va pas très bien pour personne. Comment est-ce que ça va finir tout ça? Comment est-ce que cet affrontement psychanalytico-freudien avec explosion de pouvoir psychique et gens qui explosent à gauche et à droite, comment est-ce que tout ça va finir? Ben évidemment, comme toujours, je vous laisse écouter le film pour le découvrir. Ça vaut franchement la peine. Comme j'ai mentionné, c'est un film légendaire. C'est pas pour rien. Alors, pourquoi c'est bon? Ben, la première raison, puis c'est vraiment étonnant, c'est à quel point le film est brillamment réalisé. Alors, le réalisateur ici, c'est un gars qui s'appelle Richard Franklin et il a réalisé Psycho 2. Puis Psychose 2, si vous l'avez jamais vu, c'est un bon exemple d'une suite qui aurait jamais dû exister, qui avait aucune chance d'être bonne et qui est, à toute fin pratique, au moins aussi bonne que Psychose 1, un film de Hitchcock toujours bien, si c'est pas meilleur. À beaucoup de points de vue, Psychose 2, c'est moins un chef-d'œuvre au niveau de la réalisation, quoique c'est extrêmement bien réalisé, mais Psychose 2, c'est ça au niveau de, de ce que ça fait avec les personnages, c'est vraiment, vraiment, vraiment brillant. Si vous n'avez pas vu Psycho 2, là, ça vaut vraiment la peine. Il est évident que M. Franklin, qui a réalisé les deux, Patrick et Psychose 2, il a grandi dans les films de Hitchcock, il les connaît tous par cœur à l'endroit comme à l'envers. Alors, le film est rempli mur à mur de méga passes de réalisation, de citations plus ou moins directes de Hitchcock, mais aussi de passes visuelles à la Brian De Palma. Il y a de nombreuses séquences hyper efficaces, il y a des partie avec des gros plans qui font extrêmement penser au film de Dario Argento de la Belle Époque, avec son amour des gros plans, comme dans Deep Red ou les paires de ciseaux, ce genre de trucs-là. Alors, on a toute cette surenchère visuelle baroque extrêmement réussi. Puis tout ça, c'est mélangé. Puis ça, c'est le côté exploitation australienne qui est très surprenant. Puis d'une certaine manière, c'est un peu la deuxième raison pour laquelle c'est bon, il y en a des tonnes de raisons, c'est que le film est prodigieusement racoleur. Alors, Patrick fait partie de la grande vague des films de ce qu'on appelle le Ozploitation, donc les films d'exploitation australien. Mad Max est le plus connu, Mad Max 1 et 2, puis éventuellement, ça a tellement pogné, certainement Mad Max 2, que ça l'a un peu sorti, le cinéma australien, si on veut, de l'ombre, de l'idée que c'était des films d'exploitation, mais c'en était. Puis quand ce qu'on veut dire par film d'exploitation, on veut dire des films qui prennent des thèmes hyper racoleurs et qui remplissent leurs films d'éléments qui sont susceptibles de titiller, choquer, provoquer les gens. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est rempli
rempli de nudité frontale de gars et de filles. OK? Puis ça, c'est très fréquent. En fait, c'est étonnant quand on en regarde beaucoup, là, des films de exploitation. Il y a très souvent des messieurs et des madames tout nus qu'on voit toutes, comme on dit. Puis évidemment, bon, voilà, fait que c'est de l'exploitation, il y a de la violence, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Puis ce mélange-là entre savoir-faire cinématographique et extrême mauvais goût donne en vérité cette saveur particulière au film d'exploitation australien, puis dont Patrick, en vérité, est de loin un des meilleurs exemples. Il y en a d'autres qui sont très, très bons. On fera probablement des vidéos dessus dans pas très longtemps. Chain Reaction, qui est un peu une sorte de... d'un certain point de vue, une sorte de Mad Max pas officiel, bon, etc. Mais Patrick a vraiment quelque chose de spécial, puis c'est parce que c'est ça, il mélange ce côté hyper à colère, violence, c'est ça, le côté tout le monde est méchant parce que c'est sa titine. Notre, tu sais, c'est comme du clickbaiting à l'époque. Là. Ils font exprès de nous choquer avec leurs personnages qui sont haïssables, juste pour le fun d'être haïssables. Mais tout ça est mélangé avec un extrême savoir-faire, un savoir-faire, tu sais, de réalisation, de montage, etc., qui est extrêmement réussi. Je mentionne ici au passage que la musique, par ailleurs, est signée par Brian May, qui a aussi fait la musique de Mad Max. Puis, t'sais, troisième raison essentiellement pour laquelle c'est bon, c'est que ben, le film marche tout simplement. T'sais, le côté visuel, puis le côté racoleur, puis tout ça, ben, tout ça se mélange pour créer une histoire qui fonctionne avec un mystère qui fonctionne, qui est captivant tout le long. Puis bon, c'est sûr que des fois, là, le côté racoleur, il y a une scène de viol à un moment donné, puis c'est complètement gratuit. La fille est en train de divorcer avec son mari, puis finalement, bon, c'est pas un vrai viol, ça fait que, tu sais, ils ont le beurre et l'argent du beurre. C'est assez glauque, c'est à ce côté-là, un film d'exploitation qui est d'un goût extrêmement discutable, mais malgré le genre de passage comme ça, somme toute, ça fonctionne émotivement, ça fonctionne certainement au niveau film d'horreur, là, au niveau autant du mystère que du côté être horrifié par ce qu'on voit, là, comme mettons Nightmare on Elm Street, genre les films d'horreur qui fonctionnent. Ben, on a ça là-dedans. Ça fait que Patrick, c'est tout simplement un super bon film. Est-ce que c'est meilleur que Carrie? Ben non. Comme je mentionnais dans l'introduction, Carrie, je l'avais jamais vu au complet. Je l'ai écouté hier. Là, c'est... tu peux pas faire mieux que ça dans ce genre-là, c'est bien difficile. Mais est-ce que c'est le meilleur film de pouvoir psychique? Ça, c'est une autre question. J'ai fait une autre vidéo sur ce qui est peut-être, à mon avis, le meilleur film de pouvoir psychique de tous les temps. C'est réalisé par le gars qui a fait Battlefield Earth. Si vous êtes curieux, la vidéo est ici.